thème qui est évoqué, il est très profond. Il demande donc de gérer de manière durable les ressources en eau et de faire en sorte que les populations puissent avoir accès de manière, je dirais, satisfaisante à l'eau potable ou au service d'assainissement. C'est une première dans l'histoire de la Perle des Lagunes. La capitale économique Abidjan abrite en effet le 21e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau, un événement couplé avec la 7e conférence pour la gestion des boues de vidange. La source qui est utilisée pour donner l'eau potable aux populations doit être une ressource saine. Et pour que cette ressource soit saine, il faut que les eaux usées qui résultent donc de la consommation de l'eau potable soit traité, d'où l'enjeu le plus important est celui, comme je l'ai dit en début de propos, de la mise en commun des problèmes d'eau et d'assainissement en Côte d'Ivoire. À savoir qu'en Côte d'Ivoire, les travaux pour arriver à 100% de couverture en eau potable vont bon train. En 2021 déjà, dans les zones urbaines, l'accès à l'eau potable était de 84% et de 71% en hydraulique villageoise.